Et quelle que soit l'issue donc des délibérations de la CENAP, l'issue des urnes, Paul Biya Gemba a profité de notre plateau pour lancer un appel donc au calme à ses compatriotes et à toute la classe politique pour pouvoir gérer tout ce qui pourrait y avoir comme pression au regard donc de la nature, de tout ce qui tourne donc autour de délibérations disons de ce scrutin. On va l'écouter encore une fois sur cet aspect, Monsieur Paul Biya Gemba. Un message simple. Au Gabon, la politique doit être fondamentalement un sport et non la guerre. Un sport. On joue, on est des adversaires et pas des ennemis. On joue, il y a un temps pour jouer et puis à la fin, l'arbitre siffle la fin du match et on voit les résultats qui doivent être homologués par les instances habilitées. Et lorsque les résultats sont homologués, tout le monde doit les reconnaître. Que ça ne se transforme pas inutilement en l'occasion de rixes, de conflits inutiles que les uns des autres regretteront le lendemain. C'est un sport. Élevons-nous, soyons responsables. Nous avons joué. Les adversaires étaient valeureux de chaque camp. Bien, il faut bien qu'il y ait un gagnant et quelqu'un qui ne gagne pas. Bien, tout cela, c'est à mettre au compte de la fraternité, au compte de la camaraderie, au compte de la citoyenneté qui doit être une citoyenneté forte. J'appelle donc les uns et les autres, chers frères, chères sœurs du Gabon, à ne pas poser inutilement des actes qui seraient de nature, n'est-ce pas, à briser la cohésion nationale. Nous devons rester cohérents, même dans la divergence, nous devons rester cohérents.